tutte e tutti e benvenuti a questo secondo appuntamento del ciclo Nel nome di Dante che l'Associazione degli Italianisti sta organizzando in tutta Italia in questo mese di maggio nel 700° anniversario della morte di Dante Alighieri. È una serie di incontri con scrittori, con intellettuali, con artisti e oggi 21 maggio e domani 22 siamo a Forlì con appunto incontri che ci porteranno in un panorama veramente internazionale. Abbiamo cominciato poco fa con Giuseppe Antonelli che ha fatto un bellissimo incontro dedicato alle scuole superiori e ora Yannick Enel, grande scrittore francese contemporaneo, amante dell'Italia, amante di Dante, parlerà per noi appunto di un suo Dante in Francia. Ma prima voglio ringraziare la Fondazione Cassa dei Risparmi che ha reso possibile questi incontri con il suo sostegno, il Comune di Forlì, Direzione 21 che si è prodigata per l'organizzazione e in particolare oggi è qui con me Chiara Elefante, docente di letteratura francese dell'Università di Bologna e in particolare del Dipartimento di Traduzione e Interpretazione, che ha seguito tutta la preparazione, la traduzione di questo bellissimo testo di Yannick Enel e che condurrà questo incontro. È una collaborazione molto importante che abbiamo avuto qui a Forlì, la sede del Dipartimento è forlivese per l'appunto, e che proseguirà anche nel pomeriggio con un incontro sui traduttori di Dante, organizzato sempre dal Dipartimento, dalla collega Raffaella Baccolini e dal collega Chris Randall, che appunto nel pomeriggio potrà essere seguito da chi vuole in streaming. Ringrazio per l'organizzazione appunto Direzione 21, ma anche l'Associazione degli Italianisti col suo gruppo Dante e vi invito a visitare il sito Dante e Noi, dove potete trovare tutte le informazioni su questi incontri e già annuncio che nel pomeriggio sarà qui a Forlì lì anche in presenza per il pubblico che è invitato Elena Janecek, mentre domani avremo in mattinata sempre in streaming Mircea Cartarescu e nel pomeriggio Nicola La Gioia e Alessandro Barbero con un incontro finale in serata. Quindi un programma molto ricco che si inserisce peraltro in una serie di incontri ancora più ampia che diciamo ha impegnato tutta Italia fin dal 3 maggio da Napoli con Maurizio De Giovanni e chiuderemo il 5 luglio dalla Basilica di Massenzio a Roma con Alessandro Piperno, ma tutti questi contributi sia in video che scritti potranno essere poi rivisti, in particolare l'Associazione degli Italianisti produrrà un volume appunto con questi contributi di grandi scrittori per omaggiare al meglio con interpretazioni anche molto innovative questo centenario dantesco. Io mi fermo qui e do subito la parola a Chiara Elefante che ringrazio per tutto il suo impegno e per questa sua conduzione. Buongiorno a tutti e a tutti e soprattutto bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour, vous êtes à Paris. On aurait bien aimé vous avoir ici, mais bon. J'aimerais vous présenter d'abord au public italien, quindi vi presenterò Yannick Enel, che è un affermato scrittore francese, romanziere, ma anche autore di racconti, saggi di critica letteraria e soprattutto riflessioni sulla scrittura. Nato a Rennes, Enel ha trascorso l'infanzia in Africa prima di accedere agli studi superiori presso la Scuola Nazionale Militare di La Flèche. Ha poi proseguito gli studi presso la Facoltà di Lettere, conseguendo l'abilitazione all'insegnamento, una professione che ha poi svolto per 15 anni dal 1990 fino al 2005. Nel 1997 ha cofondato assieme a François Méronis e Frédéric Badré la rivista letteraria Ligne de Risque e ha esordito nella produzione narrativa nel 1996 con Les Petits Soldats, pubblicato dall'Édition de la Table Ronde. Nel 2007, presso Gallimard, è uscito il romanzo Cercle, che è la storia di un uomo che un mattino decide di non recarsi più al lavoro e inizia una libera erranza nella città di Parigi prima di incontrare una ballerina che lo inizierà alla dimensione poetica.
Due anni dopo, nel 2009, è uscito il romanzo Jan Karski, vincitore del Prix Interallié, un premio importante in Francia. Il libro è stato tradotto in italiano da Francesco Bruno, pubblicato da Guanda, con il titolo Il testimone inascoltato. Il libro è in parte una storia vera, in parte una finzione, nella seconda parte crea il diario intimo di questo personaggio storico realmente vissuto, Jan Karski, appunto, militare polacco attivo nella resistenza, incaricato di far conoscere la situazione del suo paese all'estero, addirittura negli Stati Uniti, dove Karski incontra Roosevelt, ricavandone tuttavia la sensazione di essere, come dice il titolo italiano, un testimone inascoltato. Nel 2013 è uscito, sto facendo una sintesi della ricca bibliografia di Yannick Enel, nel 2013 esce il romanzo Les Renards Pâles, pubblicato in Italia da una casa editrice molto attiva nella traduzione di letteratura contemporanea francese, le edizioni Clichy, con il titolo Le Volpi Pallide, che è forse il romanzo più esplicitamente, comunque più direttamente impegnato di Enel, che nell'opera si interroga sul senso della politica, della vita in comune, delle convenzioni sociali e anche sulla crisi identitaria del personaggio protagonista del romanzo. Nel 2015 è uscito invece un racconto, questa volta Je cherche l'Italie, sempre pubblicato da Clichy con il titolo Cerco l'Italia, in cui l'autore, che peraltro è vissuto a Firenze per 4 anni, racconta la scoperta della città, la scoperta di Firenze, la scoperta del nostro paese, ma anche la crisi economico-politica italiana e un po' una sua decadenza anche culturale. Nel 2017 viene pubblicato il romanzo Tiens ferme ta couronne, insignito in Francia del prestigioso Prix Médicis, che è stato magistralmente tradotto in italiano da Giovanni Bogliolo poco prima della sua scomparsa. Nel romanzo uno scrittore se ne va in giro con una sceneggiatura dedicata a Herman Melville, con la quale vorrebbe far capire al mondo intero la sua ricerca dell'illimitato, dell'assoluto che ogni scrittura comporta. Nel 2019, sempre sintetizzando molto la bibliografia, è stato pubblicato un altro racconto, La Solitude Caravage, un racconto di formazione che attraverso la scoperta dei quadri di Caravaggio si trasforma in una ricerca poetico-pittorica. Enel è attualmente impegnato nella scrittura di più testi tra finzione, racconto e siamo ovviamente molto curiosi e ansiosi di poter leggere i suoi prossimi testi. L'intervento di oggi si intitola Dante in francese, autobiografia di un lettore. E questo testo, bellissimo, traccia la storia personale di lettura della commedia dantesca, di una lettura che in realtà per Enel dura da quasi 30 anni, perché ha iniziato molto giovane. E quindi la sua autobiografia di lettore è anche una lunga autobiografia, la lettura della commedia dantesca ha subito un'evoluzione, lo si capisce dal testo, molto importante. Enel parte dall'appropriazione romantica che è stata fatta in Francia, in particolare della dimensione infernale della commedia. Passa poi a parlare di Beckett, che con i suoi personaggi di Belacqua e Sordello nei romanzi Murphy e Molloy ha avvicinato Dante alla modernità, veicolandone però, mi è parso di capire, secondo Enel, un'immagine ancora troppo limitata, una valorizzazione solo dell'esperienza purgatoriale dell'attesa, ovviamente molto cara a Beckett. La scoperta del vero Dante per Enel avviene grazie alla rivista francese Tel Quel. Parlare in pochi minuti di Tel Quel è impresa quasi impossibile.
Dirò semplicemente che è una rivista fondata nel 1960 da Philippe Solers, rivista che ha continuato le sue pubblicazioni dal 60 all'82, quindi un periodo lungo, un periodo di grande fermento e grande cambiamento letterario. E Tel Quel in effetti era impegnata in una radicale trasformazione del concetto di letteratura, ed è una rivista che si è opposta, almeno diciamo tracciare la storia dell'impegno politico di Tel Quel sarebbe impossibile perché è un labirinto, ma diciamo che inizialmente la rivista si opponeva fortemente alla nozione sartriana di littérature engagée, mettendo invece l'accento, volendo privilegiare la pratica concreta del testo letterario, la pratica immanente, e quindi rifiutando in qualche modo le giustificazioni extraletterarie dei testi, che secondo la rivista avevano troppo a lungo influenzato appunto la critica letteraria. Tra il 63 e il 68 sulla rivista vengono pubblicati testi di Foucault, Roland Barthes, Derrida, per far capire quali nomi, ma nella lunga storia di Tel Quel sono stati pubblicati testi anche di Eco, di Sanguinetti, era una rivista aperta anche al contributo di intellettuali ovviamente non francesi. Nell'autunno del 65 è uscito un volume di cui Enel parla nel suo intervento, dedicato appunto a Dante, nel quale Philippe Solers pubblica un testo per Enel fondamentale, Dante e la traversée de l'écriture, una vera e propria esaltazione della materia linguistica della commedia. Di Dante Tel Quel ha messo in evidenza soprattutto l'invenzione di una nuova lingua, l'importanza del significante più che del significato della commedia. E nello scritto di Solers la commedia rimanda appunto, come indica il titolo, all'atto stesso della scrittura. La commedia è una lunga traversata della scrittura letteraria. La valorizzazione della lingua e la lettura della commedia come un viaggio che rinvia alla creazione letteraria è rimasta pressoché costante nell'analisi di Dante da parte di Solers, che ha continuato, e praticamente Solers ha scritto su Dante dal 65 fino ad oggi, e ha sempre continuato a riflettere sull'importanza dell'opera dantesca, aggiungendo in epoca recente una riflessione anche sulla componente spirituale, non direi cattolica, ma certamente aggiungendo alla sua analisi anche questa componente. Nella produzione di Solers, tra l'altro, eterno lettore di Dante, va ricordato anche che ha pubblicato un romanzo dal titolo Paradis, pubblicato nel 1981, che si presenta come un romanzo senza punteggiatura, interamente scritto in corsivo in grassetto, senza distinzione tra i capitoli e tra le varie sezioni. Un'altra figura di eccezionale importanza per la scoperta di Dante da parte di Enel è senza ombra di dubbio Jacques Lyrisset. Jacques Lyrisset è stata una straordinaria studiosa e traduttrice di Dante, io ho avuto anche modo di conoscerla personalmente, ha dedicato praticamente la sua intera vita alla traduzione della Divina Commedia, è purtroppo di recente e improvvisamente scomparsa. E è stata anche una grande accademica italiana che ha lavorato a Roma. E Lyrisset è stata spinta a tradurre la commedia dalla coscienza che in effetti Dante è stato a lungo trascurato dalla critica accademica francese, che si è concentrata più spesso su Petrarca, dall'incontro a Roma con Giorgio Petrocchi. Quindi Lyrisset, sollecitata anche dalla qualità che lei giudicava insoddisfacente delle precedenti traduzioni, ne ha iniziata una nuova e che è iniziata molto presto dopo la pubblicazione su Tel Quel del numero dedicato a Dante. Pensate che l'Inferno è uscito, pubblicato in pubblicazione completa solo nell'85, quindi solo l'Inferno le ha richiesto lunghi anni di lavoro. Successivamente sono usciti anche il Purgatorio e il Paradiso. Nella sua traduzione Lyrisset si è sempre proposta di rispettare la lettera, il tono dell'opera dantesca, allontanando
allontanandosi completamente dal francese classico, propendendo quindi verso un'attualizzazione della lingua e soprattutto diciamo rifiutando il classico alessandrino per l'utilizzo del verso libero, quindi una traduzione in versi liberi che ovviamente non esclude la possibilità dell'uso anche di versi classici, ma non ne fa un obbligo. Quindi creando versi di lunghezza variabile, Rissé avvicina Dante alla produzione poetica contemporanea, rinuncia alla terza rima, confortata peraltro in questo dai commenti del suo grande amico e grande poeta intellettuale francese Yves Bonfoy, che da sempre nei suoi scritti sulla traduzione poetica si è detto contrario al calco della prosodia classica e valorizzando piuttosto traduzioni poetiche che attualizzassero la lingua. Grazie alla traduzione di Rissé, che traspone sul piano traduttivo la lettura critica di Solers, Enel ha potuto conoscere Dante come se fosse un poeta contemporaneo. Mi sembrava, scrive Enel, che con Dante fossimo sempre nel futuro dei suoi versi, una definizione che trovo magnifica. Ora io ho parlato anche troppo e credo valga la pena di ascoltare unicamente Yannick Enel, che ci racconta il suo lungo viaggio, affascinante viaggio tra le pagine della Commedia. Buongiorno, vorrei ringraziare gli organizzatori e in particolar modo Chiara Elefante. Sono molto orgoglioso di partecipare a questa manifestazione su Dante. Ho scritto un articolo in francese perché sono francese. Dante en français. Autobiographie d'un lecteur. Contrairement aux Italiens, je n'ai jamais entendu le nom de Dante à l'école. Dante n'est pas pour moi le premier poète, il n'est pas un fondateur, il n'est pas un classique qu'on lirait obligatoirement, il relève moins de la norme que de l'excès, moins de la règle que de l'exception. C'est un écrivain vivant qui n'appartient à aucune époque, un étranger dont la langue ne relève pas du monde médiéval, mais de l'avant-garde, celle en particulier de la fin du XXe siècle. Pour être plus précis, je dirais qu'à mes yeux, Dante est un poète français et qu'il a fait partie dans les années 60 et 70 du groupe Tel Quel. Jacqueline Rissé l'a traduit et Philippe Solers n'a cessé de le commenter, c'est-à-dire en le réécrivant, de témoigner pour lui à travers la littérature. J'ai même envie de dire qu'à eux deux, ils lui ont donné naissance en français, ils l'ont inventé au sens latin du terme inventio, voulant dire découvrir. Bien sûr, des traductions de Dante existaient avant eux, mais elles donnaient de son œuvre une vision partielle, marquée par son appropriation romantique, avant tout fondée sur la lecture de l'enfer. Celle-ci culmine avec deux poèmes célèbres de Victor Hugo que j'ai lus adolescent dans le grenier familial en tombant sur un volume de morceaux choisis de Hugo. L'un des deux poèmes daté de 1836, intitulé « Après une lecture de Dante », commence ainsi « Quand le poète peint l'enfer, il peint sa vie ». Et il décrit le noir voyage de Dante à travers les cercles hideux. L'autre, daté de 1853, la vision de Dante, commence ainsi « Dante m'est apparu, voici ce qu'il m'a dit ». Et ce poème raconte depuis la tombe de Dante, tout juste réveillé de la mort après 500 ans, l'exploration détaillée de l'abîme obscur, hagard, funèbre, illimité. Ce Dante, grimé en prince des Bolges, ne me parlait pas tellement. L'enfer ne m'a jamais attiré, sauf à travers Rimbaud, dont j'étais alors obsédé, et dont le geste souverain consiste à en sortir par la densité féerique de l'illumination. Ce que j'aimais dans la littérature, ce que j'y découvrais, ce à quoi je suis resté fidèle,
c'est la puissance, aussi bien spirituelle que charnelle, d'un dégagement de tous les sens, comme dit Rimbaud. L'extase vous prodigue un corps qui jouit des couleurs en les écrivant. Il existe une autre saison que l'enfer. C'est ce que raconte la littérature, laquelle en accomplit le voyage à travers ses phrases. Faire un bond hors de la mort, c'est l'expérience de l'écriture et c'est l'objet même de l'existence. Avant de vous raconter comment Jacqueline Risset et Philippe Solers m'ont donné Dante, je dois, pour être précis dans mon autobiographie de lecteur de Dante, intercaler entre Victor Hugo et eux deux autres événements qui peuvent éclairer l'idée que l'on se fait de Dante en France et donc l'histoire intime de sa réception. Le premier événement, c'est la lecture d'une nouvelle de Balzac qui, dans les éditions de Poche, accompagne Louis Lambert, son grand texte mystique. Cette nouvelle s'intitule « Les proscrits », 1831, et elle met en scène Dante comme personnage. On est à Paris, en 1308, où Dante séjourna peut-être. Balzac l'imagine solitaire dans une chambre derrière la cathédrale Notre-Dame et assistant au cours de théologie mystique d'un certain docteur Sigier de l'Université de Paris, dans la réalité Sigier de Brabant, que Dante place aux côtés de saint Thomas d'Aquin dans la première couronne du paradis, au champ 10. « Essa è la luce eterna di Sigieri », que Jacqueline Risset traduit ainsi « C'est la lumière éternelle de Sigier ». À deux reprises, Dante est décrit par Balzac debout sur une barque qui traverse la Seine avec lenteur. Et sa haute silhouette immobile au-dessus des flots lui confère une aura prophétique. Voici qu'il raconte son, je cite, « pèlerinage à travers les sombres régions d'en bas ». Citation. « Il m'a été donné de voir les espaces immenses, les abîmes sans fin où vont s'engloutir les créations humaines. » Il a également, dit-il, traversé l'infini qui le séparait du paradis, là où les masses de lumière se multiplient. Mais rien, pas même ce grand voyage vers la divinité, ne le console d'avoir été banni de sa ville, Firenze, et d'être pour toujours un proscrit. Conception romantique de Dante, donc, en qui vient s'incarner la solitude du créateur qui accède à l'invisible, et dont le privilège relève en même temps du malheur. Conception très étroite, fantaisiste, mais qui, à mes yeux, faisait tout de même de Dante un aventurier de l'absolu, dont les visions s'ouvraient d'un même élan à la poésie et à la métaphysique. Le deuxième événement, c'est Beckett. Murphy, 1938, faisait partie d'une liste de lectures nécessaires pour valider une équivalence universitaire et entrer en licence de lettres modernes. Je lus Murphy avec enthousiasme. Dans ce roman, un type très doué pour l'inertie, infirmier dans un asile psychiatrique, a élaboré pour approfondir sa vie intérieure une méthode qu'il appelle la vision Bellacqua. Avec cette méthode, il parvient, je cite, à passer comme bon lui semble d'une béatitude à l'autre. D'ailleurs, Beckett note à propos de son personnage, il était agréable de remâcher sa vie en rêve, couché sur la corniche à côté de Bellacqua, devant un jour se levant de travers. Comme j'avais choisi pour l'examen universitaire de faire un exposé sur ce que Beckett nomme la vision Bellacqua, je me renseignais et compris que ce nom que j'avais pris pour celui d'un penseur mystique était en réalité celui d'un personnage de Dante, et plus précisément d'un artisan luthier de Firenze réputé pour sa paresse. La vision Bellacqua relevait ainsi chez Beckett à la fois de la farce et d'une éthique de l'attente. Le désœuvrement en tant que disponibilité spirituelle était en effet une attitude défendue par Murphy Beckett comme justification idéale de l'indolence. Déjà, Bellacqua, sans le savoir, attendait Godot. Puis lisant dans la foulée Molloy, je croisais de nouveau ce Bellacqua. Je cite « Il dut voir le rocher à l'ombre duquel j'étais tapis,
à la façon de Bellacqua ou de Sordello, je ne me rappelle plus. Ici, Beckett fait mine de confondre le célèbre paresseux avec le poète troubadour qui s'agenouille devant Virgile, manière d'en faire coïncider le prestige. Ainsi, chez Beckett, malgré la dérision ou grâce à elle, on s'arrachait à l'enfer. On progressait hors de la fascination morbide, on franchissait ce petit ruisseau, un ruscelletto, écrit Dante, qui fait passer de l'enfer au purgatoire en une scène aussi effrayante que comique, une scène pré-beckettienne, par laquelle Virgile et Dante, arrivés au fond du trou infernal, remontent le corps de Lucifer en s'accrochant à ses poils. Et questi che ne fe scala col pelo. Et celui qui nous fit échelle de ses poils. Et trouvent ainsi, par un trou de rocher où s'écoule le ruisseau, la sortie vers le monde clair. Sur cette terre, c'est le purgatoire, écrit Beckett dans son essai Dante Bruno Vico Joyce, 1929. Je cite, « L'enfer, c'est l'immobilité d'une vie, l'immobilité sans vie d'une méchanceté monotone. Le paradis, l'immobilité sans vie d'une pureté immaculée tout aussi monotone. Dans le purgatoire, nous avons toute la mobilité, toute la vitalité d'un déluge résultant de la conjonction de ces deux éléments contraires. » La traduction de ce texte est de Jean-Louis Houdbin. Le purgatoire est ce lieu que presque tous les écrivains considèrent comme notre zone existentielle commune. En nous maintenant dans le cul-de-sac d'un surplace éventuellement purificateur, cet espace-temps voue l'humanité à une errance ouverte. Ainsi, Bellacqua Beckett a-t-il choisi de régler le curseur de son écriture sur ce niveau métaphysique où s'expérimente à chaque instant une endurance de l'être. Mais lisant Beckett avec joie, quelque chose me gênait pourtant. Je ne me sentais pas requis entièrement par cette expérience du pis-aller bouffon. Si l'on peut admettre qu'il en va ici de notre condition terrestre, la passivité qu'induit notre maintien au purgatoire en nous exemptant de l'idée même du sceau, de la révolte, laisse en effet à désirer. Et ce que je désirais, c'était, c'est, ce sera, pour toujours, le paradis. C'est en découvrant, en 1993, à la bibliothèque du Centre Pompidou, la revue telle qu'elle, et en particulier le numéro 23 daté de l'automne 1965, entièrement consacré à Dante, avec des textes de Schelling, Soler, Sanguinetti et Vico, et dont je crois me souvenir qu'il était entouré d'une bande verte qui disait « Connaissez-vous Dante ?» que le chemin s'éclaircit. J'avais 26 ans, et chaque soir, je m'infusais fiévreusement toute la collection de cette revue en laquelle s'accomplit la dernière époque de l'avant-garde littéraire en France. S'y croisaient entre autres Roland Barthes, Jacques Derrida, Julia Kristeva. La littérature y était conçue comme un acte de pensée, la poésie relevée d'un événement politique, et Dante formait avec Joyce, Bataille, Artaud et Mallarmé le panthéon de cette révolution poétique du langage, comme l'appelait Julia Kristeva. Je lisais passionnément L'écriture et l'expérience des limites, la version abrégée de Logique, 1968, un livre de Philippe Solers qui analyse les enjeux de cette bibliothèque subversive et qui avait pris valeur à mes yeux de manifeste. Il était impossible d'écrire et de penser sans en passer par le crible intellectuel de ces grands référents dont tel quel remettait en jeu toute la puissance de subversion refoulée. Dans ce livre, c'est le texte Dante et la traversée de l'écriture qui avait ma préférence. La présence de Dante aux côtés de grands référents des avant-gardes françaises comme Artaud ou Bataille pouvait paraître surprenante. Mais le prisme adopté par tel quel relevait avant tout d'une libre opération de décontextualisation. En réduisant les œuvres à son emprise, l'histoire ne fait en effet qu'en aliéner le sens et produire une censure qui limite les effets de la lecture. La lecture de Dante proposée par tel quel désenchaînait au contraire la signification de la Divine Comédie,
rendue à une fulgurance du signifiant, ouverte à une liberté d'expérience radicale du langage, offerte à une transmission poétique directe. Après ces soirs d'études à Beaubourg, je rentrais chez moi et lisais la traduction de l'Enfer par Jacqueline Risset, 1985. Je la lisais à la lumière de telle qu'elle, comme le récit du déchiffrement transgressif d'une langue qui raconte elle-même comment elle s'écrit, suivant en cela cette théorie de la métamorphose qui décèle Solers. Je cite « Ce texte était un seul corps en état de transformation continue, de telle sorte qu'un passage n'était jamais que l'annonce, la réplique, l'annulation ou l'achèvement d'un autre, par une loi de réversibilité sans cesse vérifiée dans laquelle le livre avait été composé et vécu. » Et je lisais aussi cette traduction comme un roman de chevalerie cérébrale qui me dévoilait avec une précision poético-médicale les états d'un corps, celui de Dante, transbahuté à travers une succession d'expériences qui ne cessent de l'affecter, d'envols et de chutes, de replis et d'ouvertures, comme si le texte nous invitait à l'intérieur du périple tout à la fois dépressif et extatique de l'être, non plus seulement du sujet Dante, mais de tout corps parlant. J'aimais que les phrases vinssent directement vers moi, qu'elles me traversent et me procurent leur vitesse. Ainsi, la traduction de Jacqueline Risset, qui date maintenant d'il y a presque 40 ans, me semblait-elle animée par ce désir de s'introduire immédiatement en moi et de me transmettre sa poésie, comme si c'était moi-même qui l'écrivais. Et de fait, il est possible de faire un usage écrit de cette traduction, il est possible d'écrire avec elle, à partir d'elle, comme si la comédie s'écrivait aujourd'hui à travers son lecteur, comme si Dante produisait de la littérature française. J'ai pu compter sur la traduction de Jacqueline Risset, sur sa grande paraphrase, pour entendre Dante dans mon corps, pour m'incorporer cette poésie qui auparavant me semblait s'auto-sacraliser loin de moi, sans moi, dans le circuit des médiévistes. Avec cette traduction, au contraire, il me semblait que Dante écrivait comme Joyce. Il me semblait qu'avec Dante, nous étions toujours dans le futur de ses vers, jamais dans l'énonciation rétrograde. Pour donner un exemple, dès le sixième vers du chant 1 de l'Enfer, à propos de la forêt sauvage où il se découvre perdu, Dante écrit « Che nel pensier rinnova la paura ». Voici d'anciennes traductions. « Dont le souvenir renouvelle ma frayeur » Pierangelo Fiorentino, 1862, ou « Qui en pensant renouvelle ma peur » André Pézard, 1965. Jacqueline Risset, quant à elle, traduit par « qui ranime la peur dans la pensée ». Et en cela donne à entendre, dans un quasi mot à mot, la rapidité littérale du texte. L'opération à laquelle procède Risset sur le plan de la traduction et Solers sur le plan de l'écriture consiste en effet à nous transmettre, à travers leur vision de Dante, un jeu qui, en se désubjectivant, nous ouvre au feu même de l'écriture. L'holocauste qu'endure le corps de Dante est ici interprété non seulement comme une consommation libératrice de sa subjectivité, mais comme le signe même que le texte a basculé dans une dimension qui le délivre de tout sujet, à commencer par Dante et Béatrice, que Solers et Risset considèrent comme des signifiants enflammés, comme des signes du désir lui-même, dont le texte narre impersonnellement l'aventure. Je cite « Le jeu qui vient alors au langage, écrit Solers, est celui non pas de l'individu, mais du langage lui-même devenu autre. Dante se situe comme écriture de Dante, comme traversée de cette écriture et sans fin. » Le désir comme écriture indéfinie est ce qui motive la vitesse des vers de Dante. C'est pourquoi la traduction de l'intégralité de la Divine Comédie par Jacqueline Risset, elle-même poète, et dont le recueil Les Instants, les Éclairs manifeste bien ce désir de fluidité qui l'anime, choisit d'en rendre la rythmique, comme si le texte s'écrivait sous nos yeux,
comme s'ils s'engendraient à l'instant. Ainsi, cette traduction relevait-elle d'un acte littéraire ? En sortant d'Ante et des vieux siècles, elle fait comme la littérature qui ne cesse de rajeunir la langue. Dans la forêt de l'enfer, lorsque Dante rencontre Virgile, cela fait 13 siècles que celui-ci n'a pas parlé. Sa voix est presque inaudible. « Fioco », écrit Dante, « faible, enroué ». En un sens, Jacqueline Risset a désenroué Dante, dont la langue, éloignée de nous de 6 siècles, ne parvenait plus jusqu'à nous en traduction. Ou du moins, ces traductions, je ne les entendais pas. Elles demeuraient figées dans le passé. Le texte de Dante est traduit par Risset et d'une toute autre manière plus récemment par Daniel Robert, sonne à mes oreilles comme de la poésie contemporaine. Je me demande si, tout autant que Georges Bataille déclarant « Ma compagnie sur Terre est celle de Nietzsche », Philippe Solers ne pourrait pas affirmer que sa compagnie sur Terre est celle de Dante. L'insistance solersienne sur ce nom relève en effet de cette fidélité qu'il appelle la passion fixe, c'est-à-dire l'amour. Il est rare qu'un écrivain consacre à ce point une partie de son œuvre à rappeler l'importance d'un autre écrivain. Il est encore plus rare qu'un écrivain reprenne pour plusieurs de ses livres les titres de cet autre écrivain. C'est ce qu'a fait Solers en intitulant un livre d'entretien avec Benoît Chantre, « La Divine Comédie » 2000, et en donnant pour titre à son grand œuvre, longtemps publiée in progress dans la revue telle qu'elle, « Paradis » 1981 et « Paradis 2 » 1986. Cet hommage incessant à Dante a valeur d'affirmation. Dante existe en français, je veux dire pas seulement à l'université, grâce à Philippe Solers, qui n'a jamais cessé de 1965, date d'écriture de l'article Dante et la traversée de l'écriture, à aujourd'hui, de lui accorder sa passion. Dans Agent secret, 2021, il écrit « Dante, je l'ai lu très jeune, et avec une passion qui n'en finit pas, elle reste toujours là, intacte. » À la fin de ce livre, qui est un autoportrait récapitulatif, Solers rappelle l'antidote à la violence planétaire, je cite, « l'amour et la poésie, lesquels, explique-t-il, engendrent le corps de celui qui en fait l'expérience. » Autrement dit, aucun corps ne précède sa rencontre avec l'amour et la poésie. C'est eux, l'amour et la poésie, qui en se mêlant, comme la mer avec le soleil chez Rimbaud, lui donnent vie. Ce corps né de l'amour et de la poésie, Solers le décrit comme un corps poétique qui est un corps vivant, comme une prière, et je vais m'en nourrir, dit-il, il va me redonner vie. L'intuition fondamentale de Solers, c'est que l'écriture de Dante traverse toute l'espèce humaine et donne ainsi à lire un saut hors de l'humanité. Son jeu, qui ressemble à un Dasein, relèverait d'une parole d'endurance qui prend en charge l'ensemble de la comédie métaphysique. L'action traversante du poème, Dante la qualifie à travers le verbe « trasumanar » que Solers invite à traduire « transhumané », choix que Jacqueline Risset valide. « Transhumané », c'est-à-dire « passer à travers l'espèce humaine ». Ce dont rend compte alors le poème de Dante n'est plus seulement le voyage d'une subjectivité qui, grâce à sa foi divine, contemple l'humanité entière avec ses vices et ses vertus, mais une traversée de la traversée, une sortie hors de la métaphysique. Seul un Dieu peut nous faire dépasser la métaphysique. Dante connaît ce Dieu. Comment traverser son propre feu ? C'est la question qui se pose à tout écrivain. La littérature est cette opération par laquelle on parvient à sortir de ses limites et à rencontrer son feu. Le langage dont on fait l'expérience en écrivant nous transporte à travers son propre excès jusqu'à l'impossible. Le paradis est ainsi l'horizon de l'écriture, mais aussi le lieu même de son accomplissement, sa dimension intérieure, sa jouissance.
Le paradis est cet espace où l'on a vaincu les obstacles, c'est-à-dire la domination de la société sur nos vies, où, délivré de la société, embrasé par sa propre écriture, on atteint, écrit Solers, une plénitude du signifiant. Paradis et Paradis 2 sont ainsi la mise en application explicite d'une lecture continue de Dante, conçue comme écriture prophétique. Le livre s'écrit à partir d'une voix qui transperce les écrans de l'espèce. Solers se demande quelle langue employer quand tout se dérobe, et le texte répond par la prononciation d'une langue de voix, fleurs, lumière, sans ponctuation, écho infini d'elle-même, et portée comme la rivière joycienne par le courant de toutes les langues qui constituent ce qu'on appelle le monde. En ironisant tous les discours, cette traversée accède au point le plus vivant, c'est-à-dire au langage infini dont elle est un témoignage, en même temps que la version contemporaine de l'Holocauste que Dante offre à Dieu par son langage au chant 14 du paradis. Le feu qui brûle Dante à l'instant baptismal de son entrée dans la langue divine est ici vécu sur le plan d'un rire qui, à travers son ardeur, entraîne la voix dans une comédie infinie. « J'ai l'humanité entière en analyse », écrit Solers. Autant la première époque de sa lecture de Dante porte sur le texte comme pensée écrivante, autant le livre d'entretien avec Benoît Chantre, la Divine Comédie, resserre la focale sur le mystère divin de l'écriture catholique. C'est aussi l'époque où Solers est allé offrir son livre au pape Jean-Paul II, c'est-à-dire à un saint. Offrir une méditation sur Dante à un pape relève d'une sorte de performatif. Solers n'a-t-il pas joué lui-même de la coïncidence entre l'écrit et l'esprit en imaginant l'écriture infinie comme saint écrit ? Je cite « L'originalité inouïe de la Divine Comédie est de nous rendre le royaume de Dieu au plus haut point désirable par contraste avec les cercles de l'enfer et les corniches purificatrices du purgatoire. Désirable et connaissable, ce qui ne va pas seulement dans le sens mystique mais initiatique. » Solers ajoute « Et j'ai tenté à mon tour depuis mes premières lectures de me tenir à cette foi qu'il m'a toujours prodiguée dans les pouvoirs spirituels de la poésie. » Je cite « Il est possible, ici, maintenant, de traverser la première mort et de retrouver la forêt épaisse et vive du paradis terrestre. » J'ai publié des livres, traversé des passions, vécu plusieurs années en Italie, et désormais, à plus de 50 ans, je lis Dante depuis ma solitude. J'essaye à travers lui de me tenir de moi-même, c'est-à-dire de répondre avec mon âme et mon corps à la question que m'adresse la vérité. « Où es-tu ?» demande Dieu à Adam. Autrement dit, « Où en es-tu avec la vérité ? Ne t'en détournes-tu pas ?» La littérature, mieux que la philosophie ou les religions, vous adresse à chaque instant cette question de la vérité. C'est la question la plus personnelle, celle qui engage votre existence tout entière, l'amour, le langage et le secret qui entrelace les deux. Que vous lisiez ou écriviez, et il existe un point où les deux se confondent, elle vous la fait vivre personnellement, comme Dante montant, descendant, chutant, s'effrayant, riant, s'évanouissant, se réveillant, jouissant tout au long de son voyage. Je cherche en écrivant à ouvrir l'existence, à faire un saut ardent vers l'intérieur, mais aussi vers le temps et l'espace qui s'élargissent de phrase en phrase. J'écris des poèmes sous forme de romans et d'essais. Ces poèmes sont des initiations. Je m'initie au fait même de vivre. Ici, on vit et l'on jouit du trésor, écrit Dante. Figurez-vous qu'à ma manière, celle dont mes phrases témoignent, je lutte pour la béatitude. Mes romans Cercle, 2007, Jan Karski, 2009, Les Renards Pâles, 2013, Je cherche l'Italie, 2015, et Tiens ferme ta couronne, 2017,
sont des expériences qui interrogent les dimensions infernales, purgatoriales et paradisiaques de l'existence. Vivre, c'est passer sans cesse d'une dimension à l'autre. Écrire, c'est trouver la musique de ces passages et faire chanter le point de nacre où, en se mêlant, elles miroitent. La littérature permet cela, être un mystique à l'intérieur du langage. Les romans sont des voyages, des exorcismes, des dévoilements. La recherche de la vérité a lieu avec des mots, et qu'on tende avec eux vers la possibilité d'un Dieu ou vers son absence, peu importe. Le paradis est le lieu vers lequel vous achemine le langage. La littérature telle que j'en fais l'expérience raconte un combat spirituel pour ouvrir les portes du jardin. Ce combat peut prendre la forme d'un laisser-être. À un moment, le jardin doit s'ouvrir tout seul. Les écrivains ont la clé de l'amour, comme dit Rimbaud. En tout cas, ils inventent des clés. La lecture de Dante, mais aussi celle de Kafka, celle de Proust ou de Georges Bataille, m'ont conduit à écrire afin de continuer à entendre ce que je percevais lorsque je les lisais. On ne peut vraiment lire qu'en écrivant en même temps. Pas besoin de main pour cela, ça s'écrit tout seul. À travers ce silence d'où toutes les choses viennent se rassembler pour s'appartenir au plus intime d'elles-mêmes. Lire Dante me met aujourd'hui dans cet état de lumière qui m'ouvre le cœur, m'élargit l'esprit et rend irrésistible le désir d'écrire. Je n'ai plus besoin pour accéder à Dante de Rimbaud, de Beckett et de Solers. Ils me précèdent toujours et l'amour que je leur porte continue à m'ouvrir la route. Mais l'enfer, le purgatoire et le paradis, il m'arrive de m'y introduire sans personne et surtout d'accéder simultanément à ces trois dimensions de l'être depuis ma propre vision. Au cœur de chaque instant, l'enfer, le purgatoire et le paradis affluent rêveusement et suscitent dans ma vie des romans. Rimbaud, Beckett et Solers ont été mes Virgiles. Rimbaud m'a accompagné en enfer, Beckett au purgatoire, Solers au paradis, et voici qu'ils m'éclairent depuis leur présence-absence comme des dieux, comme Virgile continue à habiter éternellement l'esprit de Dante jusqu'au dernier vers. Il m'arrive de penser que lire Dante et écrire de la littérature forment un seul et même geste, que je me représente ainsi à la manière d'un rêve. Alors que l'abîme s'ouvre sous mes pas, un pont s'élance qui forme une arche. Est-ce l'abîme de l'être ? Dans cet entre-deux lumineux arraché à l'abîme s'ouvre un jardin. C'est le plus vieux des royaumes, c'est aussi le plus neuf. Des trésors y scintillent qui se donnent sans pourquoi, comme des fleurs. Dante trouve ici le sauf à travers le flamboiement de la Trinité. On pourrait, à la manière de Heidegger, y deviner la flamme de l'être, l'entre-deux abyssal de l'étang qui allume le Dieu. C'est au plus lointain de l'espace-temps à peine dévoilé de la vérité de l'être que se rencontre le dernier Dieu, dit-il. Quant à moi, lisant, écrivant le paradis, je rencontre mon Ordalie. Personne ne pourra dire à ma place ce que j'ai rencontré. L'innocence ne se prouve pas. Elle se vit et s'affirme à travers une dimension silencieuse qui est l'écriture. Elle est donnée, on y accède ou pas, on y est. Appelons cela l'indemne, étymologiquement le nom damné, la part qui échappe à l'enfer, celle qui vous donne vie et qu'il vous est donné à votre tour de faire vivre. L'indemne est ce qui en vous surmonte le nihilisme. Il est ce qu'il y a de plus irréductible en vous. C'est grâce à lui que vous aimez. Sans une part d'indemne en vous, vous seriez incapable d'aimer. Et que raconte le paradis de Dante, sinon l'accès à l'amour absolu ? Je crois que seule la poésie, parce qu'elle est le langage capable de distinguer le silence, éclaire la présence de l'indemne en vous.
Lire Dante devient ainsi une sorte de test projectif. À la manière dont le texte de Dante s'éclaire à vos yeux, vous savez où vous en êtes par rapport à la vérité de l'être, c'est-à-dire à la manière dont le silence vous procure de l'indemne. Que l'on comprenne Dante ou que l'on s'imagine le comprendre, peu importe. À chaque lecture, il nous indique où nous en sommes. Il en est de même avec le fait d'écrire, qui est à la fois la question et la réponse. En avril-mai 2020, durant ce qu'on appelle désormais en France le premier confinement, il m'est arrivé en lisant In extenso, le paradis de Dante, de faire l'expérience d'une telle métamorphose questionnante. La vie nouvelle n'est-elle pas le cadeau que nous fait l'esprit lorsque nous lui consacrons notre langage? Ma vita nova, c'est l'aventure de l'indemne. Cette aventure a eu lieu à la faveur d'une nouvelle traduction, celle de Daniel Robert, qui a tenté de retrouver dans le texte français le rythme ternaire de Dante et même d'en faire entendre les rimes. La plongée quotidienne dans ce texte, qui répondait à un moment d'étrangeté du temps lui-même, celui ouvert et délaissé du confinement, a donné lieu de ma part à une transcription d'impact qui a pris la forme d'un mémoire. Le long texte que j'ai écrit alors pour enregistrer cet événement, Le rire embrasé de l'étoile, publié sur le site En attendant Nado le 3 juin 2020, porte témoignage de cette initiation à une épreuve spirituelle dont j'essaye de raconter les étapes et de préciser comment elle m'a gratifié. Les difficultés rencontrées dans la lecture deviennent matière à un roman intérieur. Toute lecture est autobiographique et ce texte en raconte l'alchimie. Sur le chemin de notre vie, il y a parfois des rencontres qu'on croyait avoir déjà faites et qui reviennent nous saluer. Ainsi du paradis de Dante, que je pensais ne pas pouvoir lire, car il impliquait des franchissements spirituels qui jusqu'ici faisaient obstacle à ma lecture. J'avais lu il y a longtemps, déjà, la traduction de Jacqueline Risset, vers 35 ans, au moment d'écrire mon roman « Cercle », lequel est structuré comme la comédie et raconte un voyage spiralique à travers l'Europe, en même temps que la poursuite d'une femme et la descente en soi-même à la recherche d'une liberté nouvelle. Mais à l'époque, ma lecture de « Paradis » était restée bloquée. Je n'étais pas entré suffisamment dans ma propre vie. Je reprenais vie, comme l'énonce l'incipit du livre. C'est maintenant qu'il faut reprendre vie. Mais je n'avais pas encore sur le plan du point le plus vivant une présence entière. Je montais vers le paradis, j'y accédais par instants, mais au fond, je m'étais fait une féerie de mon purgatoire. L'expérience de lecture du printemps 2020 m'a au contraire transporté au cœur poétique de l'existence elle-même. Il faut brûler de littérature pour accéder à la littérature. Il y a des régions intactes que l'expérience passionnée de la littérature vous révèle en même temps que vous les révélez en écrivant. L'amour n'est-il pas ce qui donne son cœur? L'événement de l'écriture est proportionné à ce don, à ce qui de l'amour est senti, pensé, offert. Celui qui n'entend pas dans l'écriture la matière d'un amour qui déborde tout calcul, en réalité n'écrit pas. Celui qui ne discerne pas dans l'amour une écriture qui sort des limites de l'humain, en réalité n'aime pas. L'écriture et l'amour transhumanent, ils se métamorphosent l'un l'autre, et ce qui s'ouvre à travers leur étreinte compose un monde qui ne se réduit à aucune subjectivité. L'étoile qui brille depuis leurs noces indique une lumière impersonnelle, je veux dire sans limite, une étincelle divine. Quand on aime, on écrit jusqu'au ciel. Quand on écrit, on aime jusqu'au Dieu. Ces phrases sont-elles incompréhensibles? L'infini les accueille. Lire Dante, lire tous les livres, accéder à l'indemne, baigner, écrire, dans la conoscenza viva, la connaissance vive. «
à notre époque de mise à mort du langage, consciencieusement appauvrie dans la bouillie des réseaux de communication, la littérature devient depuis sa solitude le lieu unique où le langage pense. Ainsi nous conduit-il, en endurant sa propre expérience, au dévoilement de notre vérité. La matière du paradis est cette ouverture au silence illuminant de l'amour qui est le vrai nom de la dimension intérieure du langage, c'est-à-dire la littérature elle-même. Avec Dante, nous retrouvons le temps. La littérature nous mène au plus loin de ce qu'est la vie. Nous vérifions personnellement cette vérité énoncée par un autre écrivain d'avant-garde et prophète, Marcel Proust. Je cite « La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. » Merci, merci beaucoup Yannick Hennel pour ce texte magnifique, pour cette autobiographie en tant que lecteur. Là, j'aimerais vous poser des questions. Alors, voglio dire al pubblico italiano che Yannick Hennel ha accettato di rispondere alle mie domande in italiano, in un italiano molto bello che parla. Ma trovo questo un gesto davvero un grande dono che fa al pubblico italiano, appunto di parlare nella nostra lingua, quindi di avvicinare le sue riflessioni sulla scrittura al pubblico che lo sta ascoltando. Lo trovo davvero un gesto non solo di grande rispetto, ma anche proprio di è un'offerta che fa al suo pubblico di oggi. Quindi innanzitutto grazie. E intanto vorrei porre a Yannick Hennel una prima domanda. Avete sentito durante questo testo che la parola verità ritorna spesso. In altri suoi scritti Hennel insiste sull'utilizzo che fa della parola verità, un utilizzo assolutamente non autoritario, per non confondere, perché la parola verità non venga confusa con la religione o comunque con le confessioni religiose, perché rimanga invece vicina a ciò che nella scrittura Hennel definisce sacro, indenne, questa parola bellissima che dobbiamo reinterpretare etimologicamente, quindi ciò che non è stato toccato, ciò che non ha subito danno. Per Hennel la verità opera in una dimensione che è quella del linguaggio e poi del linguaggio nel linguaggio, quindi nella letteratura. Quindi la verità coinciderebbe con il capovolgimento della morte in parola, in possibilità di parola. Quindi mi piacerebbe che ci dicesse qualcosa di più su questa ricerca della verità. Vous voulez que je vous traduise la question? Non, grazie. Non, ça va? grazie, vorrei provare di parlare un po' italiano. Dispiace per errori. Allora, la verità, sì, è questa vecchia parola mi piace molto, perché per me la letteratura non è soltanto un modo di raccontare le storie, ma è un'avventura spirituale, e una ricerca della verità. La letteratura è un modo per me di introdurre, si dice introdurre, la sua vita in la dimensione del simbolico. Penso al filosofo Giorgio Agamben. Lui ha scritto in il libro Il fuoco e il racconto, ha scritto questa frase: non possiamo accontentarsi di un racconto che non ha più nessun rapporto con il fuoco. E per me il fuoco è la verità interna delle cose.
per me la verità è questa luce interna, è come la poesia. Dante l'ha detto, Dante ha parlato del punto a cui tutti i tempi sono presenti. E per me è quasi una definizione della letteratura, scusa. Ok, bene. Alcuni critici hanno curato un recente volume dal titolo Yannick Enel, La littérature pour absolu, e l'hanno definita un resistente della contemporaneità. Scrivono un resistente per il suo pensiero e per la sua parola contro la violenza cieca, contro la sinistrosi. Lei riconosce il romanzo Les Renards Pâles, tradotto in italiano col titolo Le Volpi Pallide, sembra testimoniarlo, ma le chiedo, riconosce un ruolo etico, quindi anche politico, alla parola letteraria? Sì, sì. Il filosofo Gilles Deleuze ha detto che il linguaggio non è fatto per comunicare, ma per resistere. E allora la parola resistente per me è troppo, troppo bello, ma è vero che c'è una dimensione etica e politica della letteratura. Bisogna trovare il punto poetica dell'esistenza. E per me questo punto è in qualche modo etica, perché è nostro essere nel mondo, nostra capacità a essere aperto. Questo punto etica è il passaggio fra passato e presente, fra i vivi e i morti. E per me la letteratura è politica quando lei ha riuscito a apertare questa dimensione. Bene, e un altro aspetto, diciamo, del suo discorso sulla letteratura è diciamo una sorta di appello appunto alla resistenza della scrittura, perché dice la letteratura oggi sembra diventare minoritaria, sembra essere stata esclusa da una configurazione mediatica della nostra società, e poi parla di una forte violenza appunto della contemporaneità che sembrerebbe, anzi che deriva da una profonda disaffezione per la lingua. Questo è un tratto che ritorna, un disamore che caratterizzerebbe i nostri tempi per la lingua, per il linguaggio, per la parola nella sua grande ricchezza. Allora le chiedo, io spero ci siano giovani ragazzi e ragazze ad ascoltarci, e questa è una cosa che sento molto, da che cosa facciamo ripartire le nuove generazioni per rinnamorarsi della parola? È una grande cosa. Pensiero e poesia sono due intensità, e per me l'intensità è la grande cosa. È vero che la letteratura è diventata in la società una cosa solo e un po' abbandonato, ma la letteratura è l'unica dimensione dove il linguaggio si pensa, è un spazio di libertà,
è l'unica spiazio per inventare la sua esistenza. Per me la letteratura non commerciale, la letteratura filosofica, la letteratura poetica, la letteratura chi pensa, è un modo di avere un'esistenza intensa, un modo di costruire la sua esistenza contro le convenzioni sociali. È sempre un luogo rivoluzionario la letteratura. Non importa se nessuno vede questa rivoluzione, perché lei è interna, lei è poetica, e la poesia non si vede al TV, è per il cuore, è per il segreto, e per l'esistenza, l'intensa. E tra l'altro nei suoi scritti propende sempre per l'ascolto della molteplicità delle voci, afferma che la letteratura è il luogo in cui mai possiamo dirci soddisfatti della sola voce personale e che appunto la lingua della scrittura deve aprirsi per essere davvero piena alle voci che incessantemente ci arrivano da epoche, da mondi diversi, anche molto lontani da noi. Allora le chiedo se oltre alla voce di Dante, nella sua vita di scrittore, le è mai venuta incontro la voce di qualche altro artista o scrittore italiano? Ah, sì, sì. Sì, mi piace molti scrittori. Mi piace le voci ribelle, le voci rivoltosi. Ho scritto un libro sul Caravaggio. Per me mi piace anche i libri di Giorgio Agamben, Infanzia e Storia, Profanazioni, la comunità che viene. Ma il mio preferito scrittore italiano è Pier Paolo Pasolini. Per me è più che un scrittore, è un artista, e per me è il più grande artista in Europa. La sua poesia e anche il suo ultimo libro, Petrolio. Mi ricordo anche sui pellicoli, in particolare Uccellacci Uccellini, mi sembra una pellicola molto importante politicamente e poeticamente, perché in questa pellicola ci sono ragazzi che cercano di parlare con gli uccelli, come San Francesco. È una cosa impossibile parlare con uccelli. Allora questi ragazzi trovano la soluzione. È una bella soluzione. Bisogna non parlare con gli uccelli, ma bisogna parlare come uccelli. Bisogna parlare uccello. Bisogna diventare un uccello in il suo linguaggio. Bisogna diventare un poeta in la sua esistenza. Penso come Pasolini che abbiamo perduto il senso della poesia, della vita poetica. Il nostro mondo capitalista ha distrutto nostra capacità a trovare l'apertura poetica.
non siamo più autorizzati a pensare, a parlare con la poesia. La società voglia che noi siamo sta sempre a comunicare, ma la comunicazione è diventata obbligatoria, come un trappola. Bisogna inventare di nuovo un linguaggio capace di sfuggire ai reti sociali, alla società. Per me la poesia è politica, come nostra solitudine. Le faccio un'ultima domanda per tornare a Dante e chiudere così questo bellissimo incontro, questo dialogo così profondo su Dante, ma sulla scrittura, su quella traversata della scrittura che Dante ci consente. Allora, intanto lei ha scritto di aver riletto appunto durante il lockdown il Paradiso in una nuova traduzione, quella di Daniel Robert, che è ancora una volta una rivoluzione rispetto a quella rivoluzione che era la traduzione di Jacqueline Risset, perché Daniel Robert riprende appunto il ritmo ternario di Dante e addirittura ricrea la rima. E intanto le chiedo se questa traduzione perché era necessaria, no? Anche la traduzione ha dei corsi e ricorsi, e in che cosa secondo lei era necessaria. E poi mi piacerebbe appunto che ci parlasse di questa esperienza così importante di invenzione del linguaggio. Per lei la rilettura del Paradiso ha coinciso con l'invenzione di un nuovo linguaggio, perché poi leggendo si scrive, ogni volta che si legge si scrive al contempo, in un'epoca di crisi, certamente il lockdown e questa pandemia è stata una crisi, non possiamo che ha stabilito una, diciamo, una separazione netta. E allora, come mai il Paradiso è stato in un'epoca di crisi una lettura rivoluzionaria? Come mai ha rappresentato una breccia tra due mondi, un intervallo che sembra quasi un miracolo? Sì, è difficile per gli francesi di ascoltare la musica di Dante, è spesso tradotto in prosa. Uh-huh. È terribile, perché perdiamo la spiritualità della sua musica. E allora l'ultima traduzione di Dante in Francia, di Daniel Robert, reinventa la terza rima, e quasi, hai ragione, è quasi un miracolo. Allora, leggere questa traduzione durante il lockdown era per me come un atto poetico, ma anche un atto politico, perché era un atto di solitudine politica. Durante il lockdown la lettura era un atto fondamentale per salvare la mia vita. Penso che tutti i tempi sono tempi di crisi. Il nostro tempo è un tempo di crisi, con il Covid o senza il Covid. Allora la letteratura è indispensabile, non per si divertare, ma per pensare il mondo. Voilà.
Beh, allora ringraziamo davvero con gratitudine Yannick Enel che ci ha accompagnato in questo viaggio del suo passato di lettore, ma anche del suo presente di scrittore. Dante è una presenza costante, lo ringraziamo per questa traversata anche della sua scrittura e della scrittura in generale, quest'atto di resistenza che è oggi l'atto letterario e che deve ripartire dall'amore per la parola. Grazie davvero per questa testimonianza e buon lavoro, e lascerei al professor Casadei le ultime informazioni anche sul futuro di questa maratona dantesca di questi due giorni. Grazie, anch'io ringrazio davvero Yannick Enel perché questo incontro, sia pure a distanza, ci ha permesso di riparlare di parole fondamentali, resistenza, intensità, addirittura verità, linguaggio che pensa e si pensa all'interno della letteratura. Sono temi fortissimi che appunto erano affrontati anche nel quadro storico che Yannick Enel ha ricostruito, ma spesso confrontandosi con Dante, e questo ci spinge a pensare appunto che questo contatto fra le nostre esigenze, le nostre idee di verità e di vita stessa della letteratura e della lettura che danno vita, come diceva anche in conclusione Yannick Enel, potessero interessare Dante, ci interessano quando leggiamo Dante. Siamo partiti stamattina da un percorso sul Dante popolare, quello esterno, qui siamo in un percorso interno di grande intensità interiore, e concluderemo oggi alle ore 17 con un incontro, anche questo in streaming e in parte in presenza, con Elena Janecek che ci parlerà del tema dell'esilio, quindi ancora una volta un quadro che intreccia la vita di Dante, la sua personale biografia e le biografie di tanti che l'hanno letto nel Novecento e fino a oggi, magari dovendo andare lontano dai loro luoghi, quindi un'altra dimensione ancora che molto ci interessa. Ma io voglio intanto ringraziare moltissimo Chiara Elefante per questa ottima conduzione, per la splendida traduzione del discorso di Yannick Enel, che troverete poi nel libro che raccoglierà tutti questi contributi nel nome di Dante dell'Associazione degli Italianisti. Ricordo che il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna, con sede a Forlì, oggi pomeriggio farà un importante incontro sulle traduzioni di Dante con la collega Raffaella Baccolini, collega Chris Randall, a partire dalle 14:30, quindi invito davvero a seguirlo, sarà un incontro importante. Ma concludendo, ringrazio ancora, oltre all'Associazione degli Italianisti che promuove questi incontri nel nome di Dante, la Fondazione Cassa dei Risparmi che ha fornito il suo sostegno, il Comune di Forlì, abbiamo anche il patrocinio del Comitato Nazionale delle Celebrazioni Dantesche dei 700 anni dalla morte di Dante, ma in particolare un grazie davvero a coloro che hanno reso possibile questa diretta, Direzione 21, con tutti gli amici che si sono prodigati per riuscire a fare questo difficile collegamento che pure era necessario per essere vicini. Quindi davvero un grazie, ma anche un appuntamento, ore 14:30 per il Dante tradotto, ore 17 con Elena Janecek. Grazie a tutti. E Yannick Enel, speriamo di averla presto in Italia. Grazie a lei. Grazie ancora. Grazie.